Dans cette vidéo, je présente le modelage primitif de cette boule de terre avec un zoom sur ce que j'appelle l'extrusion vers le bas à 2 minutes. Au début, c'est mal parti. J'ai pas l'habitude de faire de la poterie, surtout primitive. Est-ce que je vais pouvoir terminer dans la journée? Non. Le lendemain, je reprends le modelage. Plusieurs fois dans la journée. J'aimerais bien terminer, mais j'ai vraiment du mal. Alors, j'ai fait une tresse primitive en carex pour éviter que le pot s'affaisse en s'élargissant. Le troisième jour, je mets des feuilles dessous et j'essaye d'augmenter sa hauteur. Je mesure l'épaisseur du fond. Trop épais. Vraiment trop. Pour qu'il sèche plus vite, je remplace les feuilles par des tiges creuses. Et comme la pluie menace mon pot, je lui fais un chapeau en feuilles de figuier, calées avec de l'herbe à cause du vent. Le cinquième jour, j'enlève les tiges creuses, ça me gêne. Si quelqu'un me demande si j'ai craché sur mon pot pour boucher des fissures, ma réponse sera très claire, je ne me souviens pas. Pour affiner les parois et le fond, je soulève le pot d'un côté et puis je pousse l'intérieur des parois vers le bas. C'est ce que j'appelle l'extrusion vers le bas. L'extérieur du pot ne bouge pas comme une filière. Plusieurs fois par jour, j'extrude un peu. C'est assez facile. Mais le sixième jour, je n'arrive pas à finir mon pot et mes vacances, elles, sont finies. Alors, en voiture, retour à la maison. À notre arrivée, il fait nuit. J'installe mon pot dehors et j'extrude sans rien voir, juste au toucher. Le lendemain matin, avant le boulot, il y a du givre dehors. Ça me glace les doigts. Mais le soir, c'est à nouveau cette sensation que j'aime bien, dans l'obscurité, juste avec mes mains. J'ai dû renforcer la protection contre les intempéries, pluie et vent en ce moment. J'y vais tous les deux jours. Je me demande si je vais finir avant l'hiver. Le problème, c'est que le fond est toujours mou. En voilà un morceau. Un peu de soleil aujourd'hui, ça devrait faire sécher le fond. Un autre jour, je commence à lisser l'intérieur. Cette nuit, il a gelé, moins 4. Mais je sais que mon pot est à l'abri. Et les squatteurs sont de plus en plus nombreux à apprécier l'abri. Le 33e jour, mon pot est à peu près sec, la terre s'est rétractée et la tresse s'en va facilement. Je décide de laisser les marques du tressage et de garder la tresse, juste resserrée avec l'épine de prunelier. Est-ce qu'il tient sur ma tête? Avec un support végétal, on dirait. Alors, je peux l'emmener voir l'endroit où il est né. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, sors et dis-toi que si tu n'essayes pas, tu n'as aucune chance d'y arriver.